Salut à tous, c'est Thomas Santatassi, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve avec Armex pour la suite de notre aventure sur Create Astral. La dernière fois, on avait fait du coup ce joli et magnifique portail. C'était un épisode qui était très lourd en termes d'explications et de bordel un petit peu à... Voilà, il y avait beaucoup de machines de fête, beaucoup de choses très compliquées à faire. Aujourd'hui, on est un tout petit peu plus dans le fun, mais on va commencer d'abord par se faire des scaphandres, parce que sinon on va mourir très très fort sur la lune. Cyril, est-ce que tu es toujours là? Oui, mais ça va être long pour faire les scaphandres déjà. Comment ça? Oh non! On va faire plein de trucs! Oh non! Eh ben faisons plein de trucs, faisons les scaphandres, vite! Faisons les scaphandres le plus vite possible pour avoir du fun, Cyril. Oh merde, pourquoi j'ai encore une mort là? Fais nuit. Essaye de faire 8 copper coil ball block. 8 copper coil block, donc il nous faut des copper spool. Ah mais attends, les copper wire, c'est les machins qu'il faut faire avec écraser des fils de copper, des plaques de copper là, non? Dans la machine que je crois que j'ai enlevé, non? Je sais pas si tu l'as enlevé. Si, elle a plus l'air d'être là, donc oui, je crois que tu l'as retiré. Si tu peux la remettre en place, je m'occuperai de faire les copper wire, y'a pas de soucis, enfin les copper coil. Bah elle est pas dans le coffre. Est-ce qu'on a des copper sheet déjà? On a peut-être genre pas du tout de copper sheet, Cyril. Comment on fait des copper sheet? On prend du copper et puis on l'aplatit, c'est ça? Tu peux les faire fondre directement en sheet, ah c'est pas mal. Mais sinon, tu les mets à la presse. Bon, on va les passer à la presse, ce sera beaucoup plus simple. On va en faire genre tout plein. C'est en train de faire les copper sheet, c'est déjà ça. Ça par contre, comment ça se craft? Iron sheet... Oh ça va, ça en fait 16. Ah c'est pas mal ça. Il me faut de l'iron. Est-ce qu'on a de l'iron? Ouais, on a de l'iron. Et on a même déjà des iron sheet incroyables. Ah putain, si! Attends, je crois qu'elle... Si, c'est ça? Ouais, c'est bon, je l'ai trouvé. En fait, elle est derrière une machine. Super. Ah bah oui, bah va chercher du copper, ouais. On n'a pas fini le copper, là. Je suis en train de faire cuire. Bon, faut pas du cuir, faut du copper. Ah, trop marrant. Bah, c'est super, ça. Alors, qu'est-ce que tu parles de cuir? Qu'est-ce que tu cuir de parle? Bon, j'ai un premier copper coil block. Il en faut J'en ai un, 8, quoi. 7. Il en faut 7 autres. Ouais, et bah c'est en cours. Cyril, j'ai effectué ma mission. J'ai 9 copper coil blocks. Qu'est-ce que je dois en faire? Oui, bah j'en ai fait un de trop, c'est pas grave. Bah maintenant, c'est faut faire ça, mais pourquoi ça marche pas? T'es sûr que tu t'es pas regouré encore de rubber end, là en mode, tu fais d'abord le premier et ensuite le deuxième. Alors qu'il faudrait faire le deuxième et ensuite le premier. Non, j'en sais rien, je sais pas ce que je dis, Cyril. J'ai l'impression que les mains, elles sont pas bonnes. Elles sont pas censées être en point. Elles sont censées être en comme ça, ah, là, ouais, voilà. Ah, ouais, d'accord, bien vu. Heureusement que je suis là, hein, parce que sinon... c'est le mec. Ouais. Voilà, là, forcément, ça marche mieux. Oh, putain, la vache, la vitesse. Non, par contre, vraiment, il faut faire un truc qui fasse un tour comme ça, hein. Ça va pas le faire, sinon. Faut faire... un électrolyseur. Un électrolyseur, il a dit. Alors, qu'est-ce que c'est? Comment ça se fait? Faut refaire le resto de chip. Oui. Faut refaire un resto de chip, au secours. Faut refaire un resto de chip. T'as des copper wire? Pas... Attends. Si, j'en ai, tiens, regarde là. Oui. Merci. Ah oui. Ok, ça y est, électrolyseur, ça y est, c'est fait. Maintenant, il faut faire l'oxygène loader. Comment tu fais ça? Oxygène tank, smart fluid pipe, engine fan, fluid tank, iron sheet. Allez. Donc... okay, j'arrive. T'as okay. Tout ce qu'il faut? J'ai tout ce qu'il faut. Pour faire de l'air? Faire de l'eau, pour transformer l'eau en air. Les fameux alchimistes. Ouais, on va se mettre derrière, faut faire un peu le tour, faut passer à travers les machines, mais t'inquiète. Et surtout qu'on a des sources d'eau ici, alors... Ouais. Autant profitable. Alors. D'après le truc, si on met de l'eau... Ça s'électrolyse. Mais c'est pas... C'est fou, le truc, là. Ah, t'es en train de regarder le schéma fait sur Paint, là? Ouais. Ça crée de l'oxygène. Oh, d'accord. Ah, et du coup, ça fait de l'oxygène liquide. C'est bien, ça. Et du coup, là, tu pompes vraiment à l'infini, dans la source d'eau. Oh, c'est incroyable, c'est mec. C'est trop bien, ça. Alors, oxygène, l'odeur. Bon, ça se craft? Non, c'est le truc super chiant à faire. Il faut des... Faut un oxygène... Faut oxygène tank. Je vais crush de l'oxygène. On va commencer par le oxygène tank. Il faut du bronze sheet. Pour ça, il faut du bronze ingot. On a 5 bronze ingots. Dis-moi que ça suffit parce que sinon ça va m'énerver. Non, arrête. Arrêtez, au secours. Non. Je vais mourir. Ok. Alors, il faut des barrels, on a dit. Mais
porte. Mais... Full engine fan. Enfin, faut des sturdy shit. Cyril, faut de la power. Ah d'accord, d'accord. Oui. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Non, c'est que la Sturdigit est en cours de fabrication là, mais ça va, c'est super long. Ah, mais faut le faire 5 fois, d'accord. Oui, ah oui. Il en faut plein. Ah. Pour l'armure aussi. Parfait. Normalement, là, j'ai ce qu'il faut pour faire le oxygen loader en entier. J'espère. Cyril, j'ai l'oxygène loader. Bien. Attends. Faut attendre que la quête se finisse par contre d'abord. Non. Je me fais presser. Ok, bah je suis là. Aïe. Pose d'ici. Ok. Non. Non plus. Okay. Non plus. Ah voilà. C'est bon. Ok, et là on est en train de remplir avec de l'oxygène. Oh, c'est bien ça. Monster du play, t'avais où? J'en ai 6 sur moi. Tiens, cadeau. Oh non! Elles sont parties sur le tapis! Oh, moi aussi. Prends ton Space Helmet. Oh! Space Helmet! Prends. Ah, j'ai mes Space Boots. Prends. J'ai mon Space Pant. On n'est plus dans des Italoï. Ah, c'est dommage. Ah oui, c'est le craft chiant, là. On a plus de clé? Plus de clé. La clé. La clé de voiture? La clé mort? La clé Allen? La clé de la porte d'entrée? Arrête. Le porte-clé? Instant milliard de clés là. Copper back tank. Ok, bon c'est bien, on a le copper back tank. Enfin, on a un copper back tank. Il en faut deux, parce qu'il y a deux armures à faire. Allez! C'est toi qui es le tank. Spacesuit. Ah, ça y est. Mais là, faut aller le remplir d'oxygène, du coup. On est des astronautes. Alors, faut le remplir d'oxygène. Sur la main. Oh, mec. J'ai 1000 millibuckets d'oxygène dans ma suit. C'est instant? Ouais, c'est quasiment instant. Objectif lune. Non. Non. C'est déjà pris ça. Non. C'est déjà pris, c'est le nom est déjà pris, oups. C'est trop bien. C'est trop stylé. J'adore, c'est incroyable. Bah attends, on va faire un screen devant le portail déjà. Ah, t'es prêt Cyril? Oui, je suis prêt. Let's go dans l'inconnu. Oh non, on va y être passé dedans tous les deux, il y en a un qui va rester bloqué, tu vas voir. Loading terrain. Non, c'est bon. Je suis sur la lune. Un petit pas pour l'homme, un grand pas pour la humanité, au secours! Ah, mais on est dans un basalte delta! Alors, on est dans un basalte. On est dans un basalte delta. Attends, parce que je vais mettre des redstone torches, parce que je suppose que des torches normales ça ne passe pas. Je sais pas. Ah oui, moi c'est vrai que j'ai pas de. Je vois dans le noir. Ouais, voilà, regarde! Regarde, c'est bien foutu! Y a pas d'oxygène donc ça marche pas! Incroyable. Bah du coup je mets juste des redstone torches ici, comme ça on sait où c'est. Et ça serait pas mal du coup d'avoir des blocs, ou je sais pas s'il y a autre chose pour pouvoir éclairer. Ah, faut mettre un waypoint. Faut mettre un waypoint sinon on va mourir. Je crois que... Oh, il y a une structure là-bas, mais attends, il y a minerais. Les minerais c'est mieux que les structures. Ok, j'ai fait un screenshot, ça sera peut-être au final la miniature, je sais pas. Mais alors par contre, il y a un truc qui est bizarre. Je sais qu'on est dans Minecraft et tout, mais... Alors déjà c'est la Terre, donc c'est trop stylé. Ils ont respecté à peu près un truc, c'est que on ne voit pas les étoiles. Il faut savoir que sur la Lune, on ne voit pas les étoiles. Voilà. C'est quoi ça? Moon Dash. Okay. Moon Iron. Au secours, on peut pas descendre vite. Quand on saute, c'est pour de bon. Oui, oh putain, quel enfer. Il y a un bloc de redstone là-bas. Oh la vache, oui, il y a un truc super loin là-bas, ouais. Mais attends, une structure, oui, comment ça? Une météorite, là. Oui, il y a une météorite. Ça doit être une météorite de Mars, et donc on va pouvoir faire le portail de Mars. Incroyable. Keystone. Keystone, c'est pas de... De Mars, ça... Moonsend, machin... Ok, un coffre au milieu des... C'est Applied. Trop bien. Si on peut commencer Applied, c'est vraiment trop bien.
Alors, ça risque d'être très très rigolo. Qu'est-ce que c'est que ça, là? On dirait une structure chelou. On dirait une structure, mais c'est pas normal. Si, y a un coffre. Shimmering Stone, Rodesh, Glowstone Dust. Rubber, incroyable. Bon, écoute, on prend, hein. C'est quoi, c'est d'autres expéditions qui se sont foirées? C'est ça le délire? On dirait, si, c'est ça, ouais. c'est des espèces de bases d'autres personnes. Trop stylé, en vrai. Alors, tu peux quand même t'éclairer si tu portes une torche dans la main. Ah oui, j'ai pas besoin. Ouais, c'est le truc d'Applied aussi, ça. Qu'est-ce que c'est? Basic Storage Unit. Oh là 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 là, mais ça va être incroyable tout ça, là. Incor Block, je rebondis, mec. C'est pas un coffre, là? Non. Oh non, mais c'est insane. Il y a des magma cubes, apparemment. Il y a de la vie. Il y a de la vie sur cette lune. Oui, bah magma cube, on sait pas si c'est vivant. Bah si, du coup. Bah si, bah, c'est des cubes de magma, quoi. Est-ce que c'est réellement vivant? C'est oxygène distributeur? Bah attends, mais y en a un là. Quoi? Bah incroyable! Par contre, ça vient. En retenant notre respiration, on aurait pu. On aurait pu se remplir ici. Incroyable. Faudrait, je pense, dans le prochain épisode, essayer de créer une base sur cette lune. Ouais. Ce serait terriblement stylé. Aïe 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 aïe. Non, I'm burning, Cyril. Arrête, ah, vite, de l'eau. Oh non! Il n'y a pas d'eau sur la lune. Ah non, attends, ça. Je vais mourir, hein, Cyril. Sache-le. Mais non. Bah si. Mais c'est bon, c'est bon. Okay. C'est, j'avais lâché la souris, tout va bien. Attends, parce qu'il y a les trucs bleus, là, ça m'intrigue. Voilà, c'est une météorite d'obsidienne, crying obsidienne et tout. Avec plein de coal, si jamais il faut. Ah non, c'est quand même vachement plus beau ici, hein. Enfin, avec ça. C'est dommage, les nuages, mais c'est pas grave. Oh là là, il y a une centrale nucléaire. Quoi? Non mais mec, mais il y a des extraterrestres qui sont venus s'établir sur la Lune, là, c'est pas possible. Oh non, ça me rappelle les structures de... De Pixelmon dans le... Ouais. Dans l'ultra-dimension, là. Non mais mec, il y a des toiles d'araignées dans les pipelines alors qu'on est sur la Lune. Aïe aïe aïe. Hop. Est-ce que des araignées de la Lune? Qu'est-ce des moon arachnides. Oh non, Cyril, je suis tombé dans un trou. Je vais mourir. Ah, attends. Bah voilà. Comment je fais, moi? Ok. Non mais c'est bon, regarde. Technique. Ouais, bon, vous nous pardonnerez, ce sont des choses qui arrivent. Sinon, on s'en sortait pas, malheureusement. Tu t'es décraftisé, créativitisé. Ouais. Ok. J'ai des silver plates, de l'andésite alloy, bon après c'est du basalte, on s'en fout. Okay. On va voir la centrale nucléaire, ça m'intrigue bien. Mais de fou, mais pardon, mais qui a fait ça? Mais c'est incroyable! Mais il y a un vaisseau aussi. Mais attends, mais il y a un vaisseau, il y a des trucs, mais il y a plein de choses. On commence par le truc qui est à gauche là-bas. Pas tout à gauche, juste le premier truc à gauche. Il y a une rail dans des trucs d'oxygène. C'est stylé, c'est Glowing Dash Pillar. Ok, ça c'est des rails. Corrupted Lunarian. Attention au Lunarian villageois bizarre. Oh non, j'ai regardé un Enderman, Cyril, au secours. Je vais mourir. Quel idiot. Tu meurs. Regarde le sol. Il y a un bloc ici, mais. Ouais. Ok. Le vaisseau. Ok, alors ouais, on dirait vraiment un gros vaisseau spatial. Bon, il y a des lits, mais un peu buggés. Okay. Il y a un placard. Il y aura vraiment un item, c'est placard. Engineer. Attends quoi? Engineer Bunks, très bien. Engine Crew Medbay. Il y a des pipes, il y a des trucs. Mais il faut récupérer tout ça, hein, c'est pas possible. Stone Sword, on s'en fout. J'ai plus place dans mon inventaire, j'ai trop échantillonné déjà. Et moi aussi. Ah non, mais j'ai deux fois ma tête, excuse-moi. Hop. Ok, Sturdy Sheet Block, mec. Tu peux faire des Sturdy Chestplate, des trucs comme ça. Déjà, tu peux en faire des trucs comme ça. Après, est-ce que tu peux les décraft? C'est une bonne question. Non, j'ai pas l'impression. Hop. Oh là là! Comment ça? Oh là là. Oh là là. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ce genre de délire? Oh, mais c'est beaucoup trop bien. Oh là 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 là. Petite concrete. Oh là 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 là. Alors, mais attends, mais c'est le réacteur, ça c'est quoi ce truc là? Ah oui. Oula, oui. Ah oui, d'accord. Effectivement, ça a bien pété cet endroit.
Smooth Black Concrete. Du shimmer. Il y a du shimmer dans les toyaux. Il y a mass shimmer, c'est à dire que le truc oh était... Putain mais incroyable. Mais faut qu'on récupère le shimmer. Mais on peut on peut le récupérer. Bah dans un seau oui mais Bah ouais mais je peux pas le récupérer dans un seau. Il faudrait le... Faudrait les sortir dans un... Dans un chaudron. Tu vois ce que je veux dire? Ok, moi je vais juste voir la centrale parce que je suis curieux là. Je suis curieux de centrale là. Attends, mais qu'est-ce que c'est que ce délire? Ah oui! Cyril, du shimmer, on en a, mais à chier, mec. Ah, c'est d'accord, c'est une centrale de shimmer? Bah, c'est une centrale de shimmer. Je pense que en termes de shimmer, on est pas mal. Ah oui! Ah oui! Voilà, je pense qu'on est pas trop mal. Ça fait quoi si on va dedans? Je sais pas. J'ai envie de tester. Et bah test. On peut juste y aller dedans en mode tranquille. Ouais. Ok, bah écoute. Copper Calisi, tant mieux. Incroyable. Oh là 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 là, mais il y a tellement de choses mec, c'est terrible, hein, c'est incroyable. Après le shimmer, à quoi ça va nous servir? Parce qu'en tout cas, il y en a beaucoup. Peut-être à faire de l'électricité du coup. Enfin... Ah peut-être. Bah étant donné que c'est dans une centrale, c'est possible. Mais du coup, ça veut dire qu'on a une source quasi infinie en fait de shimmer là. Ouais. À moins qu'il en faille énormément, et c'est pour ça que les sources sont aussi grosses. J'ai plein de silver nuggets aussi. Ouais. Commence à voir le soleil qui se lève. Ok, bon mon cher Cyril, je pense qu'on va peut-être s'arrêter ici pour cet épisode, ça me paraît pas mal. On a exploré un petit peu la lune, le soleil est en train de se lever sur la lune. Notre nouvelle maison, MDR lol. je pense que on va juste rentrer à la maison après la fin de l'épisode, mais en tout cas on va s'arrêter ici. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. On se dit à la prochaine. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche, de laisser un pouce bleu, de rejoindre Discord, de regarder les différents liens qui sont en description, bien évidemment. On se dit à la prochaine. Ciao tout le monde. Allez, zou. Il y a un truc décrit sur le bateau. Ouais, il y a Porclisque là où je sais pas quoi. T'inquiète, il y avait des trucs qui étaient bizarres. Allez, zou. Ciao tout le monde.